Dieu allait prêcher. Last week when Pastor Robert was saying that there was going to be a big man of God preaching today. Et que il raccourcissait ses vacances pour venir l'entendre prêcher. That he was shortening his vacation in order to hear him. Et je me suis dit mince, je pensais que c'était moi qui prêchais la semaine prochaine. Rats, I thought to myself, rats, I thought I was preaching next week. Mais à travers cette petite blague, le Seigneur il m'a quand même corrigé quelque part. But through this small joke, really the Lord corrected me somehow. Le Seigneur m'a dit. The Lord told me. Je. I. Je suis Dieu. I am God. Et toi, t'es mon gars sûr. And you're someone I can count on. Toi, t'es mon homme. You are my man. Donc si je suis Dieu. So if I'm God. Et que je dis que tu es mon gars, que tu es mon homme. And if I tell you that you're my man, alors tu es un homme de Dieu. Then you are a man of God. Donc n'en doute pas. So don't doubt it. Et vous savez, en tant qu'enfant de pasteur, as a pastor's kid, on a tendance à un peu avoir des insécurités. We have a tendency to have some insecurities. Parce qu'on ne sait pas si les gens nous regardent à travers les yeux de nos parents. Because we don't know if people see us through the eyes of our parents. Ou s'ils nous regardent pour qui on est. Or if they see us the way we truly are. Donc du coup, on doit avoir un comportement un peu, je ne sais pas à quel moment arrêter. On doit avoir un peu un comportement entre être un exemple et en même temps être qui on est. So we have to have an attitude where we can be an example, but at the same time really be who we truly are. Et des fois, on se pose la question, pourquoi les choses m'arrivent? And sometimes we ask ourselves, well, why do these things happen to me? Est-ce que ça m'arrive parce que je suis le fils du pasteur Jean-Pierre? Is it happening to me because I'm the son of Pastor Jean-Pierre? Ou est-ce que ça m'arrive parce que je suis le fils de Dieu? Or is it happening to me because I'm a son of God? Et à travers cet encouragement, le Seigneur m'a montré que dans cette église, il n'y a pas d'élite. And through this encouragement, God showed me that in this church, there's no elite. En fait, si, il y a une élite. Well, yes, there is an elite, actually. L'élite, c'est tous ceux qui sont enfants de Dieu. And the elite is really everyone who is a child of God. Donc nous tous ici, on fait partie de l'élite de Dieu. So all of us here present are part of God's elite. Il n'y a pas les pasteurs, les enfants des pasteurs et les autres, non. There's not the pastors and then the kids' pastors. No, it's everybody. En tout cas, pas dans cette église. At least in this church, that's not the case. Parce que dans cette église, il y a une culture d'honneur, une culture de famille. Because in this church, there's a culture of honor and a culture of family. Et le Seigneur a envie de vous dire que vous êtes ses gars, vous êtes ses femmes. Vous êtes des hommes et vous êtes des femmes de Dieu. And the Lord wants to tell you today that you're his man, you're his woman, you are men and women of God. C'est aussi la première fois que je prêche et que je suis traduit. And it's also the first time that I'm preaching with a translator. Et pas par n'importe qui. And not any translator. Et c'est marrant parce que en 2013. And it's funny because in 2013. Rihanna c'était la petite sœur. Rihanna was just a little sister to me. On l'a protégée, on lui rendait service. I was protecting her and serving her. Et maintenant. C'est assez symbolique le fait que Rihanna me traduise alors que je suis en train de prêcher. And now it's quite symbolic that Rihanna is translating for me as I'm preaching. C'est kiffant. It's cool. I like it. Et comme c'est la première fois que je suis traduit, je vais vraiment faire en sorte de pas trop parler, de pas faire des phrases trop longues parce que j'ai déjà remarqué des prédicateurs qui parlent hyper longtemps. Les gars, ils continuent à discuter, ils parlent et du coup la personne ne peut pas traduire. Elle est en train de perdre le fil et c'est hyper compliqué pour la personne. Donc, je veux vraiment faire attention à être bienveillant avec ma femme. Donc si je vais trop vite, tu me dis si je fais des trop longues phrases. Okay. Il n'y a pas de problème. Okay. I'll just let the Holy Spirit translate that. Ok, on a fait les blagues, on est détendu. Ok, so I've done my jokes, we're cool now. C'est le moment de boire. Alléluia, Seigneur, je veux te remettre ce moment entre tes mains. Father, I want to commit to you this moment. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Thank you, Lord, for who you are. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous apportes. Thank you, Lord, for everything that you give us. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Thank you, Lord, for all your goodness. Seigneur, je te demande maintenant d'ouvrir nos cœurs. Lord, I ask you to open up our hearts. D'ouvrir nos oreilles. To open our ears. Pour laisser entrer ta parole, Seigneur.
To let your word seep in. La laisser pénétrer au plus profond de notre être, Seigneur. Let it go down deep in our beings. Et Seigneur, je prie que. And Lord, I pray. Que personne ne reparte comme il est venu. That no one would leave this place the way they came. Utilise-moi, Seigneur. Use me, Lord. Dans ton nom puissant de Jésus, je te prie. In the precious name of Jesus, I pray. Amen. Amen. Le titre de mon message. The title of my message. J'imitais personne. I was not imitating anyone. Mais en réalité, je savais pas comment introduire ça. But in reality, I didn't really know how to introduce this. Donc le titre de mon message est inconditionnel. The title of my message is unconditional. Inconditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Unconditional. What does that mean? Mon premier réflexe, c'est de regarder dans le dictionnaire. My first reflex is to look it up in the dictionary. Peut-être que pour certains, c'est de regarder dans la Bible, mais j'ai tout de suite tendance à vouloir interpréter, à essayer de comprendre. Maybe some of you actually look in the Bible first, but I always try to really seek out the meaning of the word first. Donc du coup, je vais dans le dictionnaire, c'est un peu plus terre à terre et je peux mieux comprendre pour ensuite aller dans la parole de Dieu. So I look it up in the dictionary because it's quite down to earth and then I continue my research. Et donc, inconditionnel, ça veut dire qui ne dépend d'aucune condition. Unconditional means that which does not depend of any condition. Et amour inconditionnel, d'après le dictionnaire. And unconditional love, according to the dictionary. Ça veut dire partage d'un sentiment d'affection. Means sharing a sentiment of affection. Sans condition et en toutes circonstances. Without condition and in every circumstance. Et j'aime bien en toutes circonstances. And I like in every circumstance. Du coup, j'ai fait mes recherches dans la parole de Dieu et j'ai tapé le mot inconditionnel. So then I looked it up in the word of God and I looked up the word unconditional. Et j'ai rien trouvé. And I didn't find anything. Donc j'ai tapé amour inconditionnel. So I looked up unconditional love. Et j'ai rien trouvé non plus. And I didn't find anything either. Et je me dis, c'est chelou, on parle de l'amour inconditionnel de Dieu et ben, c'est pas dans la Bible. And I thought, wow, that's strange. We talk about God's unconditional love, but it's not even in the Bible. Et vous savez, quand on est dans une famille chrétienne, on n'a pas toujours le réflexe de vérifier les choses. And you know, when we grow up in a Christian family, we don't necessarily have the reflex of looking things up. On a tendance à dire amen à tout ce qu'on entend. We have a tendency to say amen to everything that we hear. Que ce soit vrai ou non. Whether it be true or false. Donc j'ai décidé de faire mes propres recherches par rapport à l'amour inconditionnel de Dieu. So I decided to do my homework and research the unconditional love of God. Et j'ai cherché l'amour de Dieu. And I looked up the love of God. Et il y a énormément de versets. And there's a lot of verses about that. Donc j'en ai sélectionné que deux. So I only selected two of them. Parce que c'est ceux qui allaient plus avec le message d'aujourd'hui. Because it were the ones that were closer to the theme of my message today. Romains 5:8. Romans 5:8. Est-ce qu'on peut afficher en anglais, s'il vous plaît? Je vais lire en français. So we'll show it on the screen in English, so you can follow along. Alors Romains 5:8 dit: Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. So that's Romans 5:8. Ah oui, du coup, tu ne traduis pas ça. Ok. But God proves his love to us in that when we were still sinners, Christ died for us. À travers ce verset-là, on peut voir que Dieu nous a donné son Fils unique. Through this verse, we see that God gave his only Son. Pour prouver son amour vis-à-vis de nous. In order to prove his love towards us. Alors qu'on était déjà pécheurs. Although we were still sinners. Déjà, alors qu'on était pécheurs. Et un autre verset qui est complémentaire à celui-ci, c'est Jean 3:16. And another verse that's quite complementary to this one is John 3:16. Et je pense que tout le monde connaît ce verset. I think everybody knows that verse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. That God so loved the world that he gave his only Son, that whoever shall believe in him will not perish, but have everlasting life. Ce verset-là, je crois que je l'ai connu avant de dire maman. I think I knew this verse before I even knew the word mommy. Bon, j'extrapole un peu, mais ce verset-là, voilà, j'ai toujours entendu. I'm exaggerating, but really, this verse, I've always heard it. Et comme je vous disais, étant né dans une famille chrétienne, and like I said, being brought up in a Christian family,
Des fois, on connaît les choses. Sometimes we know things. Mais on ne les saisit pas. But we don't really understand them. On les comprend pas dans à leur juste valeur. We don't understand them at their true value. Et un jour, mon père m'a montré un court-métrage d'une histoire en Pologne. And one day, my dad showed me a film of a story in that was occurring in Poland. Et je pense que certains d'entre vous connaissent cette histoire-là. And I think some of you know this story. C'est l'histoire d'un père et de son fils. It's the story of a father and his son. Et un jour, l'enfant demande à son papa s'il peut aller au travail avec lui. And one day, the son asks his father if he can come to work with him today. Et le père accepte. The father accepts. Ils arrivent au travail du papa. They get to the dad's work. Et le métier du père consiste à lever et baisser un pont. And the job of this father was to lower and lift up a bridge. Et quand le pont est levé, les bateaux, les péniches peuvent passer. So when the bridge is up, the boats can pass in the river. Mais une fois le bateau, le pont baissé, but once the bridge is down, c'est pour que les trains puissent passer. Then that allows a train to pass on the bridge. Donc alors que le père, il est en train de checker si tout est opérationnel dans sa console. So while the father is sort of checking that everything's ready. Au même moment, il y a son fils qui joue au ballon. At the same time, his son is playing ball. Et à un moment donné, ce ballon tombe dans le système d'engrenage. And at that same time, the ball falls into the contraption, in the, yeah, ouais. The thing that makes it work. the gears, okay. Gears. Thank you. De rien. Et donc le ballon est tombé, donc du coup l'enfant veut aller récupérer son ballon. So the ball falls and the boy wants to come go get it. Et au même moment, and at the same time, le père voit son enfant dans le système d'engrenage. So the father sees the children in this place where the gears are. Et il entend un train qui est en train d'alerter qu'il arrive. And the father hears a train coming. Et à ce moment-là, le père, il est dans une situation où il a un ultimatum. And at this moment, the father is faced with a dilemma. Il se rend compte que le temps de baisser les barrières, he realizes that the time it takes to lower the bridge, le train, il n'aura pas le temps de sauver son fils et d'ensuite activer les barrières. The father won't have time to actually save his son and then lower the bridge for the train to go by. Donc il a deux choix qui lui sont proposés. So he has a choice of two things. Le premier, c'est sauver son fils. The first choice would be to save his son. Le deuxième, c'est de sauver une centaine de personnes qui sont dans le train. And the second option would be for him to save 100 people on the train. Mais dans tous les cas, des personnes vont mourir. But in any case, people will die. Et le film est fait d'une certaine manière à vous faire comprendre la dureté et la difficulté de la décision. And the video really shows how difficult it would be for a father facing the situation. Et le père décide d'activer la manette. And the father decides to turn on the gears to lower the bridge. Ah, tu m'as devancé. Pour baisser le pont. Et donc le train passe. So the train goes by on the bridge. Et le père a donné la vie de son fils. And the father gave the life of his son. Pour une centaine de personnes qu'il ne connaissait même pas. To save the 100 passengers of the train that didn't even know him. Et là où cette histoire m'a parlé par rapport à Jean 3:16. And that how this situation spoke to me in regards to the verse John 3:16. C'est que le père était dans une situation où il était au pied du mur. Is that the father was in a situation where it was really a dilemma for him. Il devait faire un choix. He had to make a choice. Alors que le Seigneur n'avait pas Dieu n'avait pas cet ultimatum. But God didn't really have the same dilemma. Dieu l'a simplement fait par amour. God did it out of love. Le Seigneur a décidé de donner Jésus parce qu'il t'aime. God decided to give Jesus because he loves you. Pas parce qu'il allait avoir un pont qui se baisse ou il y avait une situation quelconque. Il a décidé de le faire. Not because there was a bridge that he had to lower or whatever. He decided to give his life. Par amour pour nous. By love for us. Et c'est la base
de notre foi. And that's really the foundation of our faith. À travers ces deux versets-là, on peut comprendre quelque part l'amour inconditionnel de Dieu. Through these two verses, we can somehow understand God's unconditional love for us. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Dieu, il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. And what's interesting is that so God so loved the world that he gave his only Son for those who believed in him to have eternal life. Ce qui veut dire que Dieu, il a donné son Fils pour que tu aies un passeport pour aller au paradis. So God gave his Son so that you would have a passport to get to heaven. Donc Dieu nous laisse le choix de croire ou de ne pas croire. So God gives us, leaves us a choice to believe or not to believe. Si tu crois, Dieu t'aime. If you believe, God loves you. Si tu ne crois pas, Dieu t'aime quand même. And if you don't believe in him, God will still love you. Il n'y a pas de condition. There's no condition. Une fois de plus, on voit l'amour inconditionnel à travers ce verset-là. Once again, we see unconditional love through this verse. Dans Éphésiens 3, on a la notion où on peut comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur pour connaître l'amour de Dieu. In Ephesians 3, there is that notion of understanding the height, the length, the depth and the width of God's love for us. Et je dis pas ainsi par l'Éternel, c'est plus une interprétation de ma part. And I'm not saying thus says Lord, but this is just an interpretation that I made of this. Mais comme je la trouve intéressante, je voulais vous la partager ce matin. And because I found it interesting, I wanted to share it with you today. La largeur, on peut considérer que c'est l'amour de Dieu pour tous. The width of God's love, we can consider it to be his love for everyone. Donc ça c'est la largeur. So that's the width. La longueur, ça détermine une durée. The length determines a timeline. Et c'est l'amour de Dieu pour l'éternité. And that's God's love for us for eternity. La profondeur. The depth. C'est plus personnel. Is more personal. Plus personnel ou plus personnel. Bon. Et en fait, c'est pour les moindres détails de ta personne. And it means that God loves all the details of who you are. Pour les moindres petits secrets que tu veux garder, parce que tu as honte, tu vas en parler à personne. Even for the slightest little secrets that you have that you don't want to share to anyone. Même pour ça, Dieu t'aime. Even for that, God loves you. Dieu t'aime pour qui tu es. God loves you for who you are. Et la hauteur? And the height? C'est au-delà de ce qu'on peut penser. Is above everything we can think. Au-delà de nos péchés. Above our sins. Et j'insiste sur la notion d'au-delà de ce qu'on peut penser. And I insist on the fact that God loves us high above everything we can think. Parce qu'à cause de la chute, on est des êtres finis. Because of the fall, we are final? Finite. Et Dieu est un être infini. And God is a God of eternity. Du coup, il nous est impossible de comprendre la totalité de l'amour inconditionnel de Dieu. So it's impossible for us to really understand the greatness of his unconditional love for us. On va pouvoir s'en rapprocher, mais on va jamais pouvoir saisir la comprendre entièrement. We can get close, but we can't really understand it fully. Pour résumer, Dieu nous aime d'un amour agapao. To sum everything up, God loves us with an agape love. Et du coup, hier soir, j'ai continué mes recherches et ce qui était intéressant, c'est que dans Romains 5:8, so I continued my research and what's interesting is that in Romans 8, à l'origine, le mot « mais Dieu prouve son amour envers nous », when it says « God proves his love for us », amour, c'est le mot « agapao ». That love is the word « agapao ». Du coup, j'ai regardé la traduction. So I looked up what it means. Et j'ai trouvé une traduction qui dit que ça veut dire « inconditionnel ». And one translation says that it means « unconditional ». Donc, mes parents ne m'avaient pas menti. So, my parents didn't lie to me. C'est juste la traduction qui me faisait des farces. It's just the translation that was making jokes. But... Mais aujourd'hui, je voulais juste faire un petit survol. C'est juste l'introduction. So, this was just my introduction. Je voulais juste parler de... qu'on essaie un petit peu de comprendre l'amour inconditionnel de Dieu. I just wanted us to try to understand this unconditional love of God. Mais la réelle question, c'est qu'en est-il de notre amour à l'égard de Dieu? But the real question is, what about our love for God? Est-ce qu'on aime le Seigneur d'une manière religieuse? Do we love God in a religious way? Dans l'attente de recevoir des bénédictions? Waiting to receive blessings? Ou est-ce qu'on aime le Seigneur pour ce qu'il est?
Or do we love God for who he is? Et pour et c'est possible pour nous d'aimer d'une manière inconditionnelle. And it's possible for us to love in an unconditional way. Mais ça sera jamais à la hauteur de l'amour inconditionnel de Dieu. But it will never be to the extent of God's love for us. Ça sera un amour inconditionnel avec notre limite de pensée. It would be an unconditional love in the limit of our understanding. Et l'exemple parfait pour moi d'un amour inconditionnel, d'un amour où on n'attend rien en retour. And the perfect example for me of a love where we don't expect anything in return. C'est ma petite maman. Is my mom, my sweet mom. Il faut pas pleurer. Hein. Ma mère, dès notre naissance. My mom, ever since our birth. Elle nous a aimés sans rien attendre en retour. She loved us in a way that she didn't expect anything in return. Elle nous a aimés par pur don de soi. She loved us just out of giving herself. Par son amour, elle nous pardonnait. Through her love, she would forgive us. Et par son amour, elle était patiente vis-à-vis de nous. Through her love, she was patient with us. Donc pour moi, c'est la référence que j'ai de l'amour inconditionnel. So that's sort of the reference I have for unconditional love. Et si aujourd'hui vous me demandez est-ce que j'aime mes parents? And if today you ask me, do you love your parents? Je vous dirai oui. I would say yes. Mais pas parce que ma mère m'a aimé sans rien attendre en retour, parce qu'elle m'a acheté la dernière Hot Wheels ou la Majorette, je ne sais pas si ça existe encore. Mais pas parce que la façon dont ma mère m'aime, ou parce qu'elle m'a acheté le nouveau gadget ou quoi. Mais parce que c'est ma mère. But it's because she's my mom. En fait, l'amour inconditionnel, ça s'applique aussi à nous. So unconditional love really does apply to us. Nous aussi, on a déjà aimé quelqu'un sans attendre en retour. We've already loved someone without expecting anything in return. Nos parents, our parents, for example. Il y a, si jamais ça s'est mal passé avec vos parents. And even if maybe things didn't happen in a very good way with your parents. Il y a les frères et sœurs. There are brothers and sisters. Aujourd'hui, si mes sœurs vous me demandez si je les aime. If today my sisters ask me if I love them. Je vous dirai oui. I would say yes. Vous me demandez pourquoi? If they ask why? Don't know. Je les aime parce que c'est mes sœurs. I love them because they're my sisters. Et même si elles m'aiment pas? And even if they don't love me? Chose improbable parce que je suis un super petit frère. Which would not be very likely because I'm a great little brother. Bah tant pis pour elles, je l'aime quand même. Well, too bad for them, I will still love them. Donc voilà un exemple d'aimer sans attendre en retour. So that's an example of loving without expecting anything in return. On a tous déjà réussi à le faire. I think we've all been able to do it. Mais on peut aussi apprendre à aimer sans attendre en retour. But we can also learn how to love without expecting anything in return. Et moi, ça m'est arrivé. And that happened to me. Avec Rihanna. With Rihanna. Woohoo. Je connaissais pas cette partie. Ah bah tu vas découvrir. En 2013, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était l'année où on était en pourparlers avec nous-mêmes. So in 2013, that was when we were discussing things amongst ourselves. Salagadou, la manchikabou, la bibidiabibou. What he said. Pour les connaisseurs, c'est une phrase dans Cendrillon. That's voilà, c'était pas très spirituel. En tout cas, avec Rihanna, en 2013, j'étais vraiment en confrontation avec moi-même parce que je reniais mes sentiments. So, back in 2013, in regards to Rihanna, I was sort of battling against myself because I was battling the feelings I was having for her. Je me disais, non, c'est pas capable, je vais pas aimer Rihanna, c'est la petite sœur, c'est... I was thinking, I can't fall in love with Rihanna. She's like my little sister. C'est bizarre, j'ai vu grandir. This is weird. Tout ça, I saw her grow up. Bah, non. Donc du coup, pour me conforter, j'ai décidé de faire une liste de la femme parfaite pour moi. So in order to settle this, I wrote a list of what the perfect woman for me would be. Comme ça, j'allais me prouver que c'était pas Rihanna et puis j'étais tranquille quoi. So that I would prove that wasn't Rihanna and I would be fine with it. Et donc j'ai fait cette liste d'une cinquantaine de mots. So I wrote a list of about 50 words. Et là je me dis c'est ça la femme parfaite. And I thought okay, this would be the perfect woman for me.
Et je relis la liste. And I read the list again. Et je me rends compte, en fait, j'ai décrit Rihanna. And I realized that I was describing Rihanna. Et aujourd'hui, on est mariés. And today we're married. Tout ça pour dire que j'avais des conditions. All that to say that I had conditions. Mais aujourd'hui, à la fin du mois, ça fera 2 ans qu'on est mariés. So at the end of the month, it will be 2 years since our wedding. Ces conditions-là ne m'importent. Ça m'est égal. And those conditions don't really matter to me anymore. J'aime Rihanna pour ce qu'elle est. I love Rihanna for who she is. Pas parce qu'elle me rend heureux. Not because she makes me happy. Mais parce qu'elle est. But because she is. Et le premier commandement est le plus grand commandement. And the first commandment, which is the greatest commandment of all. Et dans Matthieu 22, 37. Is in Matthew 22:37. Donc Matthieu 22, 37, Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Cool. Matthew 22:37 on the screen. Donc ça, c'est le premier et le plus grand commandement. So that is the first and the greatest commandment. Mais dans ce verset-là, il y a un piège. But in this verse, there is a trap. Du moins, c'est la philosophie religieuse qui crée un piège. Or at least it's religious philosophy that creates this trap. La question est, est-ce qu'on aime le Seigneur uniquement en termes d'obéissance ou de service? The question is, do we love God only out of obedience? Ou par reconnaissance? Or through thankfulness, gratitude. Le service, lui rendre service et lui obéir. Serving God and obeying God. Doit être la conséquence de notre amour pour Dieu. Has to be the consequence of our love for Him. Et non la raison. And not the reason of our love for Him. Dieu ne s'attend pas à ce que on l'aime parce que il nous donne des bénédictions. God does not want us to love Him just because He blesses us. Ça c'est la relation que j'ai avec mon petit chaton. And that's the relationship I have with my little kitten at home. Il s'appelle Timal. His name is Timal. Et le gars, je sais pertinemment que si je ne lui mets pas de croquettes le matin et le soir, well cat, il sauterait du balcon et il irait voir ailleurs. He would jump from the balcony and go see somebody else. Lui, il a vraiment un amour conditionnel. He has a really conditional love. Mais le Seigneur, il ne veut pas ça avec nous. But God doesn't want that with us. Le Seigneur n'attend pas non plus à ce que nous l'aimons d'un amour filéo. He does not expect us either to love him in a love that is filéo. Filéo, c'est la notion d'aimer amicalement, fraternellement. And that's the notion of loving as a friend. En réalité, Dieu n'a même pas besoin de notre amour. In reality, God doesn't even need our love. Dans Actes 17, 25, in Acts 17, 25, sorry. Actes 17, 25, il est écrit, il, donc Dieu, n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. La raison pour laquelle on doit aimer Dieu, c'est très simple. The reason why we need to love God is very simple. C'est écrit dans 1 Jean 4, 19. It's written in 1 John 4, 9. C'est parce qu'il nous a aimé. 19, sorry. C'est parce qu'il nous a aimé le premier. It's because he loved us first. Le verset 1 Jean 4, 19 dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. 1 John 4, 19. Donc c'est la seule chose qu'on doit... C'est simple, c'est pas compliqué. Pourquoi so it's very simple, it's not complicated. Pourquoi on aime le Seigneur? Why do we love God? Parce qu'il nous a aimé le premier. Because he loved us first. Tout simplement. Aimer Dieu de façon inconditionnelle. Loving God in an unconditional way. Donc j'insiste sur le fait que c'est pas comparable à l'amour inconditionnel de Dieu. So I'm just adding again that it's not comparable to the way that God loves us. Mais l'aimer de manière inconditionnelle, c'est l'aimer pour ce qu'il est. But loving him in an unconditional way is loving him for who he is. C'est l'aimer pour lui seul. Loving him for just him. C'est lui accorder la première place. It's giving him the first place in our lives. C'est l'aimer sans rien attendre en retour. It's loving him without expecting anything in return. C'est lui être consacré. It's being consecrated to him. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous me dites, ok, David, t'es cool, mais pourquoi tu nous parles de l'amour inconditionnel? So maybe some of you are thinking, ok, that's cool, David, but why are you talking to us about unconditional love? Et la suite, c'est quoi? What's next? J'ai compris que le fait de faire les choses de manière inconditionnelle,
I understood that doing things in an unconditional way te permet d'aller plus loin. Allows you to go further. Alors que quand tu mets des conditions, but if you put conditions, tu t'auto-limites. You are limiting yourself. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir d'objectifs dans la vie. That doesn't mean that we can't have any objectives in life. Il y a une grande différence entre l'objectif et la condition. And there's something very different between objectives and having conditions. La condition, si tu me donnes ça en échange de ça. A condition means I give you this in exchange of this. L'objectif, c'est plus un point de repère de là où tu veux aller. An objective is having more of a goal to reach. Et si je vous parle de l'amour inconditionnel de Dieu? And if I'm speaking today, talking to you today about God's unconditional love. C'est que si on comprend et si on expérimente l'amour de Dieu, is that if we understand and really experience God's love, alors on pourra faire la différence dans notre nation. Then we'll be able to make a difference in our nation. Si les gens voient que tu es heureux, que tu es épanoui, if people see that you're happy and really fulfilled, tu vas forcément les attirer. You will definitely draw them. Parce que si on a compris au sein de l'Église l'amour de Dieu, because if in church we have understood God's unconditional love, si on a compris que l'amour de Dieu c'est le plus grand pouvoir qui nous est donné, if we understand that God's love is the greatest power that we've been given, alors on va pouvoir mettre en pratique le deuxième commandement. Then we'll be able to put into practice the second commandment. Aime ton prochain comme toi-même. Love your neighbor as yourself. Et si ton prochain voit que tu l'aimes, alors que vous n'avez pas forcément d'affinité, mais tu l'aimes d'un cœur sincère. And if your neighbor sees that you love him, even though you don't necessarily have a close relationship with him, alors le monde verra que à travers l'amour de Dieu, il y a de l'espoir. Then the world will see that through God's love there is hope. Et c'est ce que le monde recherche aujourd'hui. C'est and l'espoir. That's what the world is seeking today is hope. Le plan de l'ennemi, c'est de mettre un voile et comme s'il n'y a plus d'espoir, tout est perdu. The plan of the enemy is to put a veil over our faces in order for us to not see any hope. Et c'est pour ça qu'on voit que le monde y part en cacahuète. And that's why we see the world going crazy. Parce que l'ennemi a réussi à retirer l'importance de l'amour au sein des églises. Because the enemy has succeeded in taking away the importance of love in churches. C'est comme si que l'amour de Dieu c'était un dû pour nous. It's as if God's love is granted. Dieu nous a donné son fils. We take it for granted. Dieu nous a donné son fils, il devait le faire. Okay, well God gave his son, he had to. So. Non, le Seigneur a donné son fils parce qu'il nous aimait. No, God gave his son because he loved us. Le Seigneur nous a donné son plus grand pouvoir, je le répète, c'est l'amour. God gave us his most powerful power, which is his love. Et on doit vraiment prendre conscience de qu'est-ce que l'amour de Dieu. And we really need to be conscientious of what God's love is. Si on comprend l'amour de Dieu, on va pouvoir bâtir à l'extérieur. If we understand God's love, we will be able to build on the outside. Mais avant, nous devons l'expérimenter au sein de notre église. But beforehand, we have to experience it in our churches. Mais avant de l'expérimenter dans l'église, il faut qu'on l'expérimente dans nos vies personnelles. But before experience it in our churches, we have to experience it for ourselves. L'une des clés pour expérimenter l'amour de Dieu à un autre niveau. One of the keys to experiencing God's love in a new level. C'est d'avoir un cœur intègre. Is to have a heart of integrity. Car le Seigneur se réjouit du cœur intègre. Because the Lord rejoices in a heart of integrity. Et avec Rihanna l'année dernière, on a expérimenté cet amour-là. And last year with Rihanna, we experienced this love. Désolé. Au mois de octobre l'année dernière. During the month of October last year. Avec Rihanna, on a été livrés de notre appartement. Rihanna and I got our new apartment. C'est aussi le moment où on est passé par une très très grosse crise financière. And it's also the moment where we really experienced a big financial crisis. Pour vous donner une idée, la Banque de France était à deux doigts de cogner à la porte. To give you an example, the Bank of France was really close to knocking at our doors. Donc c'était vraiment chaud pour nous. So it was really hard on us. Et du coup, comme c'était l'appartement, j'avais décidé d'acheter plein de choses pour les décorations. So since we got this new apartment, I had ordered some things off the internet to decorate.
Mais quand j'ai vu l'état du compte, j'ai décidé d'annuler ces commandes. But when I saw the state of our bank accounts, I canceled those orders. Et le lendemain, il y a ma banque qui décide, le directeur de ma banque qui m'appelle. And the next day, the director of my bank called me up. Et j'ai vraiment eu un coup de chaud. And I was kind of freaking out. Je me dis bon, c'est fini là, ils vont prendre la carte, quoi, ils vont tout bloquer. So I'm thinking they're going to take away my bank card and everything's going to be blocked. Et le même jour, and the same day, je reçois tous les produits que j'avais commandés alors que j'avais annulé la commande. I received the products that I had ordered off the internet even though I had canceled the order. Pour être honnête avec vous, la première réaction c'est oh merci Seigneur. And I have to admit the first reaction was oh thank you Jesus. Mais c'était très court. But it was very short. Je me dis OK, est-ce que c'est intègre de garder ça à la maison? And I was thinking is it really would I be showing integrity if I would keep these products? Et de ne rien dire au site que j'ai reçu les produits alors que j'ai annulé la commande. And to not notify the website that I had used, even though I had canceled the order. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller sur mon compte et voir si j'avais été prélevé de la somme. So I decided to go on the to consult my bank account and see if the amount of those products had been deducted. Et il s'avère qu'ils m'ont remboursé. And actually, they had reimbursed the amount because they had canceled the order. Donc là, j'avais un dilemme. So, I had a dilemma. OK. Est-ce que je garde ça et voilà, on aura une belle maison? So, do I keep these objects and we'll have a nice home? Ou est-ce que j'appelle et puis je leur dis que je leur envoie les produits? Or do I call the website and send the objects back? Et j'ai eu la pensée de, écoute, tu vois l'état de ton compte et si tu gardes les produits, ça serait une forme de vol. And I had this thought that you see the state of your bank account, but if you keep these objects, then it would be theft. It would be stealing. En fait, ça sera du vol, tout simplement. It would be stealing. C'est juste que j'ai pas organisé un braquage. It's just that I didn't actually plan a bank robbery or anything. Que j'ai pas contacté la meilleure équipe pour. That I didn't call on the best team. Forcer le coffre. To open up the safe. C'est le vol qui est venu à moi. It's the theft that actually came to me. Mais la question dans l'intégrité, c'est quel choix tu fais quand tu te trouves dans ces situations-là. But the question of integrity is what do you actually do in this sort of situation? Et une petite précision, c'est que j'avais pas non plus l'argent pour pouvoir payer ces articles-là si jamais le site internet me demandait de régler. And one detail is that I didn't actually have the money on my account to pay for those products if the website would decide to deduct it anyways. Donc je prends mon téléphone et j'appelle le service après-vente. So I take my cell phone and call the website. Et donc j'explique la situation. Oui, bonjour monsieur. So I explain the situation. Hello sir. Donc j'ai annulé ma commande parce que je suis pas en mesure de régler les produits et malheureusement je les ai retournés mais j'ai vu que j'avais été remboursé. So I canceled my order because I didn't have the money to pay for these products, but I actually received the products and the amount was reimbursed onto my bank account. Et le monsieur m'a dit ah, écoutez, Monsieur Placide, c'est la première fois que j'ai affaire à cette situation-là. And so the man on the phone said, oh, well, listen, this is the first time I've been faced with the situation. Donc ne quittez pas, je vais voir avec mon responsable. So please hold, I'll speak about it to my boss. Et là, c'était la mise en attente la plus longue de ma vie, je crois. And that was the longest hold of my life. Je pense que le gars a fait exprès. Il devait être derrière son téléphone. Oh, on va attendre. I think the man was actually doing it on purpose and just looking at the phone and keeping me waiting. Et j'étais, oh Seigneur, s'il te plaît, qu'il me fasse pas payer, qu'il me laisse rembourser et qu'il prenne les retours en charge. Enfin, c'est pas grave si j'ai pas ça. J'étais vraiment dans une situation, j'étais pas à l'aise. And I was really praying, God, just don't let them take the money away from me, but have them actually pay for the shipping costs for me to send back the objects. I won't keep them, but at least don't let me pay anything. Et donc, le monsieur reprend le téléphone. So the man on the phone picks up again. Il dit, oui, bon, monsieur Placide, écoutez, c'est la première fois qu'on a affaire à cette situation. And so he explains, this is the first time we've been faced with this situation.
Donc, étant donné que vous avez été transparent avec nous, because you've been transparent with us, considérez que c'est un cadeau de notre part. Just consider it to be a gift from us. J'ai fait « Waouh, merci Seigneur !» And I thought, wow, thank you, Jesus. Mais c'est pas tout. But that's not all. Parce qu'il y a mon banquier qui me rappelle après. Because the director of my bank actually called again. Écoutez, Monsieur Placide, vous aviez jusqu'à 11 heures pour régler votre situation. Listen, Mr. Placide, you had until 11 a.m. today to deal with the situation. La situation n'est toujours pas régularisée, donc il faut qu'on se voit. The situation is not settled yet, so we have to meet. Ok. Ok. J'étais vraiment pas, quoi. Je dis bon, super, merci Seigneur, on a ça gratos, mais là c'est la banque, quoi. So I was thinking, ok, great, thanks for these free objects, but I still have to face the bank. Et donc le mardi, je vais à mon rendez-vous pour rencontrer le directeur de la banque. So Tuesday, I meet with the director of the bank. Et le directeur me dit, bon, écoutez, Monsieur Placide, c'est quoi le problème? So the bank manager says, okay, Mr. Placide, what's the problem? Ok, je viens d'arriver, le gars me met déjà un coup de pression. So I just got here and he's putting pressure on me. Et en même temps, je ne trouvais pas la question très intelligente parce que bah, le problème, tu le connais, c'est que je n'ai pas de sous sur le compte. And I was thinking, why is he asking me this? You see the problem, I don't have any money on my account. Tu veux que je te dise quoi? What do you want me to say? Et il me demande par rapport à ma situation au travail, qu'est-ce que je fais, etc. Donc je lui explique. So he's asking me, you know, about my job and how are things going, so I explain. Donc, il me dit, ah ok, c'est une jeune entreprise, donc c'est tout à fait normal, je comprends, Monsieur Placide, que vous soyez dans cette situation-là. Ok, so you're starting a business, I understand, it can be hard. Écoutez, pour vous aider, Monsieur Placide, je vous offre 3 mois de frais bancaires. So to help you out, Mr. Placide, I will offer, I will give you for free the bank charges for the next 3 months. Et je me dis, attends, le gars m'embrouille, et là il m'offre... So I'm thinking, wait, this man is like pressuring me, but now he's giving me free stuff? Et c'est quoi son problème, quoi? What's his problem? Donc du coup, je suis très surpris de sa réponse. Je dis, ah bah écoutez, merci beaucoup. So I'm really surprised and I say, okay, well, thank you very much. Et donc il imprime le papier et il le déchire. So he prints out the paper and then rips it in front of me. Oups, il a changé d'avis. And I'm thinking, oh no, he changed his mind. Non, vous savez quoi, Monsieur Placide, je vous offre 6 mois. So no, Mr. Placide, I will actually give you 6 months for free of bank charges. Pendant 6 mois, vous payez rien, comme ça, vous pouvez vous remettre à niveau et puis ça laisse le temps à votre boîte de croître. During the next 6 months, you won't have to pay anything to the bank, so you can let your business really start up. Donc je lui dis, bon bah écoutez, vraiment merci beaucoup, c'est gentil de votre part. So I say, okay, well thank you very much, sir. It's very kind of you. Et donc il tape. Non, vous savez quoi? So then he types it up and then he says, no, 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 you know what? On va faire 12 mois. We'll do 12 months. Ouais, 12 mois, c'est bien. Yeah, 12 months, that's pretty good. Ça me plaît bien, 12 mois. Yeah, I like 12 months. Et donc, il imprime la feuille en disant que pendant 12 mois, je ne vais pas payer de service. So he prints out this paper saying that during 12 months, I won't pay any bank charges, any bank fees. Donc j'ai attendu avant de signer, si jamais il passait à 24. So I was going to wait before signing in case he wanted to go to 24 months or something. J'ai vu qu'il était motivé, donc... Because he seemed motivated, so... On va pas casser la motivation de monsieur, hein? I won't ruin his motivation. Mais il s'est arrêté à 12 mois. So he stopped at 12 months. Et donc je suis reparti de la banque. So I left the bank. En ayant 12 mois de frais bancaires offerts. Having 12 months being free of bank fees. Et je m'assois dans la voiture et je remercie le Seigneur. And I sit in the car and I just thank the Lord. Et je me dis, est-ce que si j'avais pas contacté le site internet, j'aurais pu avoir cette bénédiction là? And I was thinking, maybe if I hadn't contacted the website, I might have not received those blessings. J'ai le pressentiment que là, je serais en train de payer un gros timbre pour quitter la Banque de France. And I was thinking I would have to pay a large fine in order to leave the Bank of France. Si le Seigneur m'avait pas aidé à avoir cette attitude intègre. If God hadn't helped me to have this attitude of integrity. À travers ça, nous avons expérimenté jusqu'à ce mois-ci, on est en train d'expérimenter vraiment l'amour de Dieu avec Rihanna. And up till now, Rihanna and I have really experienced the love of God. On vit miracle sur miracle financier. We are experiencing miracle after financial miracle after financial miracle. On n'arrive pas à s'expliquer comment ça se fait qu'on arrive à payer parce que la situation s'est améliorée, mais pas au point de pouvoir être de donner l'argent.
And we don't even understand how we're able to pay all of our fees because we're, I mean, the situation is better, but we're not really abundant yet. Mais le Seigneur y pourvoit. But God provides. Et l'intégrité paye toujours. And integrity always pays. L'intégrité, ça va demander de passer par des situations complexes. Integrity will require of you to go through difficult situations. Des situations qui vont nous confronter. Situations that will confront you. Mais le Seigneur, il va toujours bénir matériellement et spirituellement. But the Lord will always bless in a material way and spiritual way as well. Parce que c'est la période où on a le plus grandi avec le Seigneur, avec Rihanna. Because it's the period of time where we've really grown the most in the Lord. Donc tout ça pour vous donner un exemple de l'expérimentation de l'amour de Dieu. So this is just an example of how to experience the love of God. Je vous ai parlé de la notion de bâtir, qu'une fois qu'on aura compris l'amour de Dieu, une fois qu'on aura compris la puissance de ce qu'est l'amour de Dieu, ça sera plus simple pour nous de bâtir à l'extérieur. So I was sharing that the more we understand and experience the love of God, the better it will be for us to start building on the outside. Et c'est une courte parenthèse que je fais. So this is a short parenthesis. Mais j'ai ouï dire, quoi, je ne sais pas ouï dire, le pasteur Robert l'a dit la semaine dernière, que le thème sera du jeûne de Daniel sera sur la notion de bâtir. So we've said that the theme of this year's Daniel fast will be rise up and build. Je voudrais juste faire une très courte exhortation par rapport au jeûne de Daniel. I'd just like to give a short exhortation in regards to the Daniel fast. Il y a des années où je l'ai fait et d'autres non. There are some years that I did the Daniel fast and others I didn't. Il y a des années où j'ai vraiment vécu une expérience de ouf. There are some years that I really experienced incredible things. Et les années où je l'ai pas fait, bah non. And other years where I didn't do the Daniel fast, I didn't experience anything. Et en fait en 2016 quand on revenait de notre voyage de noces. And in 2016 when we were coming back from our honeymoon. On était de la démesure sur parce qu'on était en croisière et il y avait tout sur le bateau. We were given a trip on a cruise ship and there was just everything on this c'était on this boat. C'était vraiment la grande classe. And it was very luxurious. Un exemple, on nous avait servi du homard. An example, we were served lobster. Une grosse crevette. Yeah. Et yeah, bah, vous savez que le homard, ça coûte très cher. So you know that lobster is really expensive. Et bah là, le homard était à volonté. And here on this cruise ship, the lobster was all you can eat. Mais c'était pas juste la pince du homard, hein, c'est. And it wasn't just the little. Donc voilà, pour montrer, c'était vraiment démesuré. On avait tout, quoi. C'était. It was just really crazy. It was very luxurious, very everything. Et donc on revient en France. So we come back to France. Et le jeûne de Daniel a commencé. And the Daniel fast starts. Donc on a loupé un jour. So we missed one day because we were going back. Et je vous avoue, c'était chaud, hein, de se retrouver avec une tartine de beurre de cacahuète. And it was really hard to have like a peanut butter cracker. Alors qu'on avait du homard la veille. Even though we had lobster on the cruise ship. Je vous avoue, c'était compliqué pour moi. It was hard on me. Et donc j'arrivais pas à rentrer dans le jeûne. So I really had a hard time getting into the fast. Je sentais pas, c'était oh. I wasn't feeling it. I was just. Seigneur, je suis pas dedans, je sais pas. Je le fais parce que tout le monde le fait. God, I'm not feeling this. I mean, I'm doing it because everybody else is, but. Et bah, je continuais à le faire, mais je le faisais pour le faire. So I continued doing it, but I was just doing it to do it. Et un soir, je crois que c'était la deuxième semaine du jeûne. And one night, I think on the second week of the fast. Alors que je suis en train de garer ma voiture. As I'm parking my car. J'ai une vision. I had a vision. Mais vraiment, c'était en 4K. And it was high definition. Hmm? 4K. I don't know if you get that. But ultra HD. Ultra high definition. No. Bon, good stuff. C'était pas flou, quoi. C'était clair. It was a very clear picture. Et donc, dans la vision. So in this vision. Je vois Jésus comme ça en train de porter sa croix. I see Jesus carrying his cross. Il porte sa croix. He's carrying his cross. Il porte sa croix. He's carrying his cross. Il porte sa croix. Pardon, c'était that. Rigolo. Et d'un coup, il la jette. And all of a sudden, he just throws it on the ground. Oh, annulez tout. Oh, just cancel everything. Non, je le sens pas. I'm not feeling it.
On va faire la crucifixion un autre jour, je le sens pas aujourd'hui. We'll do the crucifixion another day, I'm not really feeling it. Les coups de fouet, ranger les fouets, je veux rien. The whips, just, you know, keep them aside. Ok, on stoppe tout, je vais me crucifier un autre jour. We'll stop là, this là, and I'll get crucified another day, I'm just not feeling it. Et je tourne cette expérience sous forme d'humour, mais... I'm using this with humor, but... Ça m'a vraiment mis une claque. It really was a shock to me. Et le Seigneur m'a montré que j'étais en train d'excuser le fait que je ne fasse pas le jeûne. And God was showing me that I was justifying myself not doing the fast. Et le Seigneur en fait m'a montré que j'étais en train de pécher. And God was showing me that I was sinning. Parce que j'étais en train de procrastiner. Because I was procrastinating. J'étais en train de remettre le jeûne à plus tard. I was keeping the fast for another day. Donc si aujourd'hui, vous ne savez pas si vous allez faire le jeûne de Daniel le mois prochain, je ne dis pas ça pour vous mettre un couteau sous la gorge ou autre, I'm not saying this to put pressure on you. Mais on passe vraiment à côté de quelque chose quand on ne fait pas le jeûne. But we really miss out on something when we're not doing the Daniel fast. Et dites-vous qu'il n'y a aucune excuse valable. And just tell yourself there is no valid excuse. Je ferme la parenthèse. And I'll close that parenthesis. Pour terminer, on va aller dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. To close, we'll go to 1 Corinthians 13, verse 4 to 8. Ce verset-là, pour moi, c'est le verset qui exprime au mieux la puissance de l'amour. To me, this verse is the best for that verse that really explains the power of love. Qui exprime au mieux, qui me permet de mieux capter l'amour de Dieu. That helps us really understand better the love of God. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne se trame pas par le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Ça, c'est l'amour. That's love. Je vais vous inviter vraiment à ce qu'aujourd'hui, on prenne la décision. I will really invite you today to make a decision. D'aimer le Seigneur. To love God. En amour, en action et en vérité. In love, in action and truth. Qu'on en ait marre de la théorie. That we would put aside all theory. Qu'on ait envie d'expérimenter l'amour de Dieu. That we would really want to experience God's love. Qu'on ait envie de vivre l'amour de Dieu. That we would want to really live out God's love. Pour qu'on puisse faire la différence dans ce monde. That we may make all the difference in this world. Pour qu'on puisse faire la différence dans ce monde. That we may make all the difference in this world. L'amour n'est pas un dû. Love is not to be taken for granted. Le Seigneur, il a décidé de nous aimer. God decided to love us. Alors ne prenons pas ça pour acquis. So let's not take it for granted. Ne soyons pas irrespectueux par rapport à l'amour que Dieu nous donne. Let's not be disrespectful in regards soyons to his love for us. Let's be thankful. Le premier appel aujourd'hui sera pour les personnes qui veulent se reconsacrer au Seigneur. Our first altar call today will be for those who want to consecrate themselves anew to God. Si jamais la période estivale a fait que voilà, il y a eu un petit relâchement avec le Seigneur. If during the summer months you've just not given yourselves completely to God and just been giving less. Aujourd'hui, c'est vraiment le moment où vous pouvez prendre le temps de vous reconsacrer. Today is the day where you can really take the time to dedicate yourselves again to God. Il reste un mois de la période estivale et ensuite on enchaîne avec le jeûne. There's one month left in summer and then we start the Daniel fast. Et je veux vraiment vous inviter à pas vous mettre en règle avec le Seigneur pendant le jeûne parce que c'est le bien. And I really invite you to not settle things with God once you're in the fast because well that's the thing to do. Ça ressemble à une attitude religieuse. That just resembles a religious attitude. Et comme je vous ai dit, le service et l'obéissance, c'est la conséquence de notre amour pour Dieu. And like I said, service and obedience to God is the consequence of our love for God. Le deuxième appel, ça sera pour les personnes qui veulent expérimenter l'amour de Dieu à un autre niveau. The second call today will be for those who want to experience God's love at a new level. Qui
qui veulent une nouvelle révélation de l'amour de Dieu. That want a new revelation of God's love. Vous savez, on n'est pas appelé à être des réservoirs. We are not called to be reservoirs. Ça, c'est les chrétiens égoïstes qui gardent la révélation pour eux. That's just being selfish and keeping all the revelation to yourself. Nous sommes appelés à être des canaux. We are called to be channels. Et à propager l'amour de Dieu. And to distribute God's love. Dans notre nation. In our nation. Je vous remercie pour votre écoute. Thank you for listening. Alléluia. Alléluia. Si je peux avoir le conseil spirituel pour les deux appels dont David a mentionné, le conseil spirituel. Donc si vous êtes concerné par l'un de ces deux appels, je vais vous demander de vous approcher, on va prier avec vous. Donc le premier appel, c'est si vous voulez vous reconsacrer avec le Seigneur. Le deuxième appel, si vous voulez expérimenter à un plus grand niveau l'amour de Dieu. J'ai demandé à David et Rana aussi de venir participer avec les équipiers de prière pour prier. Alléluia. Donc pendant qu'on va adorer le Seigneur, approchez-vous. Commencement.